Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle série d'émissions sur le monde de l'automobile. Chaque semaine, on va essayer une nouvelle voiture et la soumettre à une épreuve, la voiture ou les conducteurs. Et cette semaine, on commence fort, Marc, puisqu'on rencontre un agent espion du MI6. Ouh! Oui, t'as raison, ça commence fort. En fait, Émilie, on essaye une BMW M6. Ah, OK. La BMW M6, c'est une des berlines sportives les plus puissantes de la famille BMW. Le M provient de Motorsport, vous l'aurez compris, c'est inspiré du sport motorisé depuis le début des années 80. Sous le capot, un moteur V8 turbocompressé de 560 chevaux et de 500 livres-pieds de couple. Bien sûr, tout cela est jumelé à une boîte de vitesse automatique 7 rapports extrêmement performante et plusieurs réglages permettent même d'améliorer à la fois la direction, la suspension et la réponse de la transmission. Pour tout ça, malheureusement, il y a un prix à payer, 124 900 $ pour la version de base. Bien sûr, on y ajoute les options. Bon, Marc, déjà, c'est vraiment une belle bagnole. Elle est impressionnante. Oui, elle est impressionnante. Il faut dire que pour moi, la série 6, c'est une des plus belles voitures de BMW. Évidemment, c'est une version coupée avec la courbe très prononcée. C'est déjà très sportif, même quand elle n'est pas en version M. Évidemment, la version M ajoute des éléments aérodynamiques importants. Tu retrouveras les petites épinglettes un peu partout avec le logo M. Des éléments aérodynamiques au niveau, par exemple, de la jupe en bas, ce qui donne vraiment une meilleure performance, une meilleure tenue de route. Pas quand on conduit comme nous, mais quand les gens veulent vraiment la mettre à profit sur une piste. Parle-nous de la couleur, parce que c'est rare, un bleu, c'est entre le bleu et le mauve. Oui, effectivement, c'est des couleurs qui sont vraiment adaptées au véhicule M. Tu constateras, il y a plusieurs catégories, là, la M3, la M5, la M6, elles ont chacune une espèce de couleur qui leur est propre. La M3 et la M4 ont une espèce de jaune moutarde que je trouve moins intéressant. La M5 arrive en orange, par exemple, et la M6 arrive avec ce bleu profond. Bleu aussi qu'on retrouve dans d'autres versions, entre autres la Alpina, qui est une version encore plus puissante, mais extrêmement limitée de la M6 et qui est disponible comme ça. Je regarde les lumières, ça doit coûter cher changer ça, sont belles! Bien évidemment, c'est des phares adaptatifs, c'est des phares à lumière d'aile, comme c'est la plupart du temps le cas. Qu'est-ce que ça veut dire, adaptatif? Adaptatif, ça veut dire qu'ils vont suivre la trajectoire d'une part du volant. Ah, alors, okay. Si tu tournes, donc, les lumières vont suivre l'inclinaison de la rotation. Et ils sont aussi automatiques, c'est-à-dire que tu as des feux de croisement automatisés. Tu sais, les fameuses hautes et les basses, oui. Mais tu n'as même plus besoin d'y penser. Hein? La voiture, il pense pour toi, il y a un détecteur à l'intérieur qui va les mettre le cas échéant. Mon Dieu, En passant, d'autres affaires automatiques, ce sont les essuie-glaces, bien entendu. Il y a un détecteur de pluie, mais ça, pas obligé d'aller sur M6. La Mazda 3 en propose maintenant. Mais est-ce qu'on peut quand même les mettre manuellement? Bien sûr, on peut les activer de série, mais c'est fait normalement pour être automatisé. C'est beaucoup plus facile. C'est intelligent. Comme on le voit, c'est une coupe extrêmement aérodynamique. J'adore cette voiture-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des pneus, quand même des pneus importants. Ils sont gros. Des pneus 20 pouces, avec des jantes particulières à la série M, bien sûr. Les étriers de frein évidemment, à plusieurs de haute performance avec des grands disques aussi. Encore une fois, couleur carrosserie, mais oui. C'est de toute beauté. Les pneus ZR, OK? Techniquement, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les pneus qui sont probablement conçus pour la plus haute vitesse sur route. C'est donc capable de résister à des hautes vitesses et bien sûr, à des profils bas. C'est cher, ça. C'est pas mal plus cher que ce que j'aurais envie de payer pour ma voiture à moi, c'est évident. Je vois quelque chose ici, Marc. C'est quoi ça? Ça, c'est une caméra. C'est une caméra, en fait, okay. Une caméra latérale qui permet de voir ce qui s'en vient. Donc, quand tu sors d'un stationnement, par exemple, tu peux activer la caméra et voir de chaque côté s'il y a des véhicules qui s'en viennent. Ah, c'est presque une auto qui pense pour toi. J'allais dire ça. Est-ce qu'on dit tout seul? Pas tout à fait, quand même. Il faut faire attention. 560 chevaux pour un véhicule avec une propulsion. Ça demande pas mal de doigté, ça demande pas mal de, je dirais, de respect de la voiture parce que même une journée comme aujourd'hui, qui est un petit peu fraîche et un peu humide, on sent que le contrôle de traction va chercher à vraiment intervenir rapidement quand on prend des virages un peu trop appuyés, un peu trop insistants. À l'intérieur, bien évidemment, c'est une voiture qui est magnifique, qui est absolument spectaculaire en termes de finition, bien sûr. On s'en doute. Siège extrêmement confortable. Écoutez, c'est un 4 places, mais il faut vraiment être motivé pour aller s'asseoir à l'arrière. Pour le reste, on a vraiment à l'intérieur BMW, on a utilisé beaucoup de fibres de carbone. Le toit est aussi en fibre de carbone, histoire d'alléger l'ensemble. Donc, ça permet évidemment d'avoir un véhicule qui est moins lourd, moins pesant, malgré les dimensions imposantes. Hey Marc, j'aimerais tellement que tu montes tout à l'heure sous le capot.
Écoute, je vais faire ça avec plaisir. D'ailleurs, tiens, je vais aller te l'ouvrir immédiatement. On va aller voir de quoi ça a l'air. Un beau gros V8 avec un beau gros turbo. Parce que c'est très large, hein? C'est très long. C'est très donc, imposant. J'imagine qu'il y a un gros moteur. Oui, il y a un gros moteur. Ce qui est cependant intéressant, c'est que malgré tout, on a réussi à garder un bon équilibre de poids. Alors, comme tu vois, imposant, important, ça prend beaucoup de place. C'est propre, mon mais Dieu! Mais c'est tellement agréable à conduire. Même pas de poussière. Bon, ben moi, je veux l'essayer. Je la trouve trop belle, là. Je vais essayer ça. Est-ce que je peux? T'as-tu un permis de conduire valide? Ben oui, franchement. Non? Ben oui, ça fait très longtemps. Je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Ben, ça sera peut-être le temps de vérifier si tu l'as encore, en fait. Si tu es capable de conduire. Et moi, je te propose qu'on se lance un petit défi. Peut-être que ça serait temps de vérifier s'il est encore valide. En fait, non pas s'il est encore valide, mais si toi, tu as encore les compétences pour conduire sa route, on devrait peut-être passer ton examen. Bien, si tu veux jouer à ce jeu-là, je vais te faire passer, toi aussi, un petit examen théorique. On va voir qui a le plus de bonnes réponses. Avec plaisir, ma chère. C'est la première étape, le test théorique. On va voir jusqu'à quel point ma mémoire se souvient de tout. Bon, alors moi, je suis bonne en pratique, mais en théorique. Indiquer les comportements qui désobéissent à la réglementation comme les comportements 1 à 5. La nuit, vous devez vous rapprocher du véhicule qui vous précède. Actionnez vos feux de détresse quand vous dépassez un véhicule, pantoute. Diminuez votre vitesse. L'intervalle minimal de sécurité qu'il faut conserver entre deux véhicules correspond à la distance qu'il faut parcourir pendant... L'intervalle minimal de sécurité... 2 secondes et plus. Surtout en termes de vitesse, évidemment, en termes de temps de réaction. J'ai fini! Pas mauvais, en tenant compte qu'une des questions... C'est pas mon erreur. Et les autres, honnêtement, c'est que j'avais mal compris. Alors non, je suis assez satisfait de mon résultat, finalement. Ah, Marc, je suis certaine qu'il n'y a pas autant de bonnes réponses que moi. J'ai eu 26 sur 30. Toi, tu as eu 25. Ouais, moi, je veux mettre un protège. Par contre, il y a une erreur dans le questionnaire. Je vais d'ailleurs appeler à la SAC pour le souligner. Mais là, on pourrait peut-être passer aux choses sérieuses. Fait qu'après la pause, Émilie, on va aller voir si tu es vraiment meilleur que moi. On embarque au volant pour passer un examen pratique. Yes! Alors, comme promis avant la pause, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Et pour faire ça, Émilie, on a une invitée toute spéciale. OK. Elle s'appelle Renée Blais. Elle est moniteur instructeur de conduite automobile pour le groupe Conduit Pro. Et aujourd'hui, elle va jouer le rôle d'une examinatrice, comme si on passait notre examen de la Société d'assurance automobile. Bien, j'ai pas peur du tout. J'ai même hâte d'essayer ça. Bonjour, mon nom est Renée Blais, instructrice, monitrice en conduite automobile depuis 30 ans avec le groupement Conduit Pro. Je suis ici pour évaluer Marc et Émilie dans leur conduite. Je suis certaine même qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs, comme plusieurs d'entre vous qui, depuis le temps, conduisaient. Donc, je vais être intransigeante aujourd'hui. Ils sont mieux d'être de très bons conducteurs. Bon, Marc, tu vas être évalué aujourd'hui comme si tu passais un examen. Ouais. Ça va être un examen qui va être quand même assez sévère parce que tu as beaucoup d'expérience au volant.
On commence par s'attacher. Ce serait bien le bout de ne pas être attaché. Oui, ça. Avant ça, ça partirait vraiment mal. Mais là, de toute façon, je pense que je ne laisserai pas partir. J'avoue, je suis un petit peu inquiet pour elle parce que je l'ai déjà vue conduire. Puis honnêtement, elle a peut-être quelques défauts. Moi aussi, mais elle, elle en a probablement plus que moi. Moi, je suis certaine qu'il va être bon, Marc. Bien, il peut pas être bon, Marc, parce que c'est ça qui fait dans la vie, conduire des autos. C'est ça. J'ai l'impression qu'il va être vraiment meilleur que moi, en fait. J'ai vraiment pas été gentil parce que j'ai utilisé les réglages de la voiture. Je l'ai mis en mode sport plus. Ce que ça veut dire, des freinages plus difficiles, une accélération plus prompte et une direction qui est beaucoup plus dure, tout comme les suspensions. Écoutez, je voulais pas prendre de chance. J'ai mis toutes les chances de mon côté. À la base, avant de le faire, j'étais certaine que Marc serait meilleur, là. Alors là, c'est vrai. On part. Là, c'est parti. Là, j'ai été obligé de prendre plus large parce qu'il y avait quelqu'un qui bloquait mon chemin. Ah, là, commence pas à trouver des raisons. Mais c'est vrai! Bon, là, on est parti. Fait qu'à droite à l'arrêt. Idéalement, il faudrait pas frapper le piéton ici. Idéalement. Est-ce que tu te sens un peu nerveux? Oui, très. C'est pas évident, ça, faire évaluer. Non, d'autant plus que ça fait quelques années que j'ai pas fait ça, que les règles ont changé. Aussi. Et pas juste les règles, en fait, la façon de faire les choses a changé aussi. Il y a des affaires comme quand on tourne, on doit croiser les mains. Oui, c'est bien ça. De la Société d'assurance automobile. Or, quand on va suivre des cours de conduite de performance, par exemple, comme j'ai l'occasion de le faire pour mon travail, on nous dit exactement le contraire, de ne pas croiser les mains, de garder les mains le plus possible dans leur position et de ne pas leur faire quitter le volant. Moi, mon père m'a toujours dit « conduis pour les autres, conduis pour les autres ». Donc, moi, je conduis beaucoup pour les autres. Bien, il y a raison, ton père, d'avoir... Je regarde toujours. On le répète encore oui, souvent. Oui, ça existe jeunes, encore, ouais, ça, conduit pour les autres. Avant, on disait, il faut que tu conduises pour 10. Ah, moi, c'était pour les mais autres. Là, je leur dis, on est tellement de monde dans le chemin, conduis pour 20. Ouais. Un accident, là, c'est toujours évitable. C'est ce qu'il faut se dire. Ah oui? OK. Il ne faut pas que je compte sur les autres qui m'évitent, c'est moi qui dois les éviter. J'aime mieux compter ouais, sur moi que compter sur les autres. Les pas autres conduisent mal. Okay. Oui, c'est ça. C'est comme la position des mains sur le volant. Anciennement, on enseignait toujours à 10h10. Oui, là, c'est maintenant. Je sais pas si tu te souviens. Et maintenant, 9h15. Les gens, ça fait drôle parce que là, les jeunes étudiants, quand ils vont avec leurs parents pratiquer, leurs parents se souviennent de leur cours de conduite. Donc, ils essaient de les corriger. Mets tes mains à 10h10 parce que tu vas te faire chicaner. Mais maintenant, c'est le fun parce qu'il y a un cours qu'on appelle accompagnateur. Et ce cours-là, bien, les parents ont le droit d'y assister. Donc, c'est là que je fais ma petite leçon aux parents de leur dire mais ça, 9h15 est accepté, mais j'essaie de leur faire découvrir le pourquoi. Et quelquefois, bien, ils sont capables de le trouver. Ça, tu vois, c'est quelque chose que c'est dû au ballon gonflable, ça. Naturellement. Ouais. Bon, alors, tu m'as dit l'autoroute 40. C'est bien ça, direction tourner ici. Québec. Direction Québec. Alors, on s'en va. Québec. Là, évidemment, il faut que je fasse attention. Parce que j'ai une voiture qui est capable d'accélérer très rapidement. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle est la limite permise ou quelle vitesse on peut se permettre quand on entre sur l'autoroute. Moi, je vois faut toujours... Faut que tu fusionnes avec le trafic, Émilie. Ah, c'est okay. Ça. Mais moi, je vais toujours quand même assez vite, sans exagérer. Il faut que tu ajustes aussi ta vitesse en fonction de ce que tu vois comme trafic. Mais il faut toujours que tu te dises qu'il faut que tu embarques à la même vitesse que le trafic. Et je suis dans la voie d'accélération. Normalement, le son est terrible. Et on dirait qu'il y a une petite mouche. Oui, tu as trouvé le terme idéal. Je suis une mouche. Ah oui, on dirait un essaim d'abeilles qui arrive ouais. Direct. On va se faire piquer! Tu n'entends peut-être pas ton clignotant, Marc, mais tu dois l'enlever. Tu es sorti de l'autoroute. Oui. Ah, OK. Moi, j'aurais eu tendance à le garder jusqu'au bout. C'est pas recommandé parce que si je te suis, moi, d'abord, moi, je me dis, ah, elle a oublié d'enlever son clignotant, elle le garde tout le long. Ah, tu sais, okay. Un clignotant, ça signale aux gens qu'on change de voie ou qu'on tourne. Tu as fini ton changement de voie, donc tu dois l'enlever. OK, parfait. Ça va bien, Marc? on essaie. C'est vraiment une voiture qui se conduit comme un charme. C'est incroyable. En plus, le volant est doux. On va tourner à droite. Là, un quartier résidentiel, parfois, on trouve que, bon, c'est tranquille, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Comme on voit ici, il y a beaucoup de véhicules. Les véhicules, les poubelles. Les poubelles, les portes qui peuvent ouvrir, les enfants, les bicyclettes. C'est comme stressant de se sentir un peu jugé, là.
Alors, j'aurais dû signaler là. Ah, c'est pas parce que j'écris. Des fois, je peux écrire plus tard. C'est vrai, hein? On voit que la personne écrit, donc on se dit, oh, j'ai fait une erreur, laquelle? Voilà, exactement. Donc, ce que je recommande à mes étudiants, concentre-toi sur le reste et pense pas à ce qui est fait. Ce qui est fait, est fait. Ça on va pourrait peut-être aller faire un stationnement. OK. Stationnement de reculant? Oui, on va faire une marche arrière en 90 degrés. On va faire ça immédiatement. Moi, je conduis une petite voiture, donc c'est très simple à stationner. Mon conjoint a un gros camion. Est-ce que tu le stationnes en marche arrière? Oui, toujours, oui. Ma petite voiture. Mais mon conjoint a un gros camion et ça, je ne stationne jamais. Donc, tu l'as choisi. Je ne t'oblige pas à reculer soit en deux voitures. Je veux juste que la marche arrière soit faite. Ah, OK. Oui, c'est un stationnement à 90 degrés que je vais évaluer, tout simplement. Et là, là! Fait que là, en théorie, je vais essayer de ne pas frapper mon petit monsieur. Ça paraît mal dans un examen. Oui. Frapper un piéton, c'est... Tu as le droit à deux par semaine. Deux par semaine. On gagne-tu des points ou... Ah, je vais peut-être pas prendre lui, finalement. Je vais prendre l'autre à côté. Oh là 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 là, que j'ai ça! On a l'air d'une vraie folle. Bon, déjà. Déjà. On va essayer de reculer. Hein. Eh, frère, que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça en fait regardant de même. Hey, je vois rien. Peut-être je vois même pas Élie. Bon, juste en va. Oui, mais il y en a là-bas, Émilie. Tu pourrais prendre ceux-là qui sont plus loin en arrière. C'est les mêmes. Fait que, tu peux te fier à ceux-là okay, là-bas. Ouais. Là, faut juste que je m'assure qu'il n'y a pas une auto qui s'en vient, par exemple. Je vais regarder comme il faut, là. Vas-tu parquer bien loin comme ça? Tu m'as dit de prendre celui-là? Non, je voulais te dire... Excuse-moi, Émilie, on s'est mal comprise. Ah, je voulais juste te dire tu pouvais, dans le fond, te fier aux lignes qu'on voyait plus loin en arrière. Tu voyais pas ceux-là qui étaient proches, mais tu pouvais voir ceux-là de loin. Donc, tu pouvais ben, là, te fier à ceux-là. Mais là, ben là, oui. Après trois parkings, t'es pas pire certain. Je vais regarder, là. T'es chanceux, je garde beaucoup. Je suis bien stationné? Parfait, super. Ah, c'est correct. Bon, ben on va repartir, on va prendre la sortie, on reprend le feu de circulation. Oui. On tourne à droite au feu de circulation. Donc... Je te donnerai ton résultat tout à l'heure au niveau de ton stationnement, Marc. Ah, ben c'est sûr qu'il n'était pas bon. Un étudiant qui va passer son examen m'attend avec la voiture de sa grand-mère. Sa grand-mère va lui prêter sa voiture. Puis qu'il arrive avec une grosse voiture. Et... Il vit le même stress que toi, tu sais. Et... Fait que des fois, je leur dis, pratiquez avec la voiture que vous allez utiliser pour aller à la SAC. C'est pas facile, en fait, de faire l'examen en plus avec une voiture comme celle-là parce qu'elle a deux principes particuliers. Un, elle a des freins qui sont super sensibles. Alors, il faut évidemment apprendre à moduler la pédale. Même chose au niveau de l'accélérateur. L'accélérateur, elle est comme, il y a comme une résistance. Donc, il faut accélérer assez fort pour pouvoir démarrer. Ce que ça fait, c'est qu'on a l'impression que les départs sont plus brusques. C'est pas si simple que ça d'être en contrôle. Et c'est, en fait, probablement que je deviendrais rapidement en contrôle si je conduisais la voiture plus longtemps. Mais là, j'ai conduit la voiture pour à peine 2 heures, même pas jusqu'à maintenant. Là, celle-ci est vraiment grosse. Moi, j'ai habitué à une voiture petite, donc je trouve que c'est quand même assez... Bien, il y a un apprentissage, hein? Oui. Faut... Bon, puis là, on est dans une voiture de 150 000 $ ça me tente comme pas de la graffiner, là. Autre détail aussi, on s'habitue pas nécessairement aux dimensions tout de suite. Ça, c'est un autre volet. Et enfin, comme c'est une voiture qui est très sportive, bien, la direction répond avec une précision qu'on s'attend pas nécessairement. Fait que c'est vraiment toute une habitude de conduite d'avoir une auto comme celle-là. Je voudrais pas te couper, Marc, mais on a vu un panneau de signalisation qui nous annonçait quelque chose. Qu'est-ce qui nous annonçait, ce panneau-là? Je sais pas. OK. C'est noté. Très franc, je suis en train de parler de la voiture, j'ai pas regardé le panneau de signalisation. On vient de voir un panneau, Émilie. Qu'est-ce qu'il annonçait? Que là, ça passe à 30. Bravo! Parce qu'il y a une école. Et ça, je fais très attention dans la vie parce que j'ai moi-même des enfants qui vont à l'école et je trouve que ça roule très vite. La limite de vitesse ici est de? 50. À partir? Ben d'ici, mais elle était là-bas aussi. Et je suis de celles qui appellent la police pour qu'elle vienne faire du radar proche de l'école de mes enfants parce que ça m'insulte de les voir passer à 50. Il y avait pas une affiche à 50 là-bas? Comme les autobus scolaires, ça, je fais très attention. Même que des fois, j'imagine que j'arrête puis j'aurais même... Je serais même pas obligée d'arrêter. Des fois, j'arrête puis je me dis, oups,
C'est-tu combien de points d'inaptitude? Si, c'est pas 9. C'est 9 points, oui. Écoute. C'est une expression qu'on a toujours dit au Québec, hein? On perd des points, mais on ne perd pas des points. On accumule des points dans un dossier. Donc, on commence à zéro avec un permis. On a le droit, moi, exemple, c'est jusqu'à 15, mais un jeune, jusqu'à l'âge de 21 ans, c'est 4 points, tu sais. Mais c'est nouveau, ça? Ben c'est dans toute la nouvelle réglementation. Oui, parce que moi, arrivé, quand j'ai eu mon permis, toi, j'avais... ça a 8 points, je crois. 8 ou 15 tout de suite. Moi, j'en ai 15, eu, ça fait 21 ans. OK. Fait que j'avais mes points. T'avais 15 points tout de suite, ouais. Automatique. Oui. J'en ai jamais perdu un. Ben, bravo. Oui, jamais perdu. Pourtant, je suis pas parfaite, mais quand je vois vite, les polices sont pas là. Ouais, c'est ça, quand c'est un gros moteur comme ça, hein, ça demande... Oui, c'est beaucoup de... Beaucoup d'attention, puis il y a beaucoup, beaucoup de gadgets qui sont là pour distraire aussi. GPS, mais tu as tous les systèmes embarqués de tous les systèmes embarqués de messagerie. Tu vois, c'est parce qu'il m'est apparu un message. Alors, j'ai quand tu le vois, tu as tendance à le regarder. Hey, on a fini! On a peur d'avoir ton résultat, Marc. Oh, ben non. Pas tant. Alors là, Émilie, c'est le temps des choses sérieuses. Oui! C'est le temps d'être évalué, d'avoir nos notes. Moi, je vais être honnête, je suis persuadé que j'ai coulé. Mais non! Ah oui, j'ai échoué, je suis convaincu. D'abord parce que j'ai manqué une zone scolaire, ce qui est assez important. Deuxièmement, parce qu'il y a eu plein de petites erreurs en cours de route. J'ai fait attention, j'ai fait un effort, mais honnêtement, je suis convaincu que j'ai un échec. Ah non, moi, je suis certaine que j'ai passé. D'abord, j'ai vraiment conduit de la même façon que je conduis quand j'ai ma petite voiture. Sauf que, bon, c'était quand même plus gros, là, mais je pense que je me suis bien débrouillée. Moi, je conduis pour les autres. Et j'ai hâte de savoir, Mme René Blais, mais moi, j'ai l'impression que, je sais pas, j'étais comme hot un peu. Moi, j'étais un peu anxieux. On attend. Vous faites bien d'être anxieux. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, je vous ai évalué pour savoir si vous aviez une conduite sécuritaire, coopérative et responsable. Coopérative, ça veut dire? Coopérative d'être gentil envers les piétons, okay, comme tous ceux que tu as croisés sur ta route que tu n'as pas laissé passer. Donc, Émilie, elle a une petite main à l'intérieur du volant quand elle vient pour se tourner, ce qui n'est pas bon. On doit garder toujours nos mains à l'extérieur pour avoir le contrôle de notre véhicule. Il y avait un virage à droite beaucoup trop large, mais on se disait pas habitué à cause de la voiture. Mais des raisons, on peut en trouver. Il y avait un manque d'angle mort. Marc, sur les angles morts, je te félicite. Quelques-uns que tu as manqués, mais Émilie, c'était vraiment... À tous les coins de rue, Émilie, quand tu effectues un virage à droite ou à gauche, il y a un angle mort à vérifier. Tout le temps. Il faut toujours se tourner la tête. Toujours, menton à l'épaule, petit coup d'œil rapide, juste pour vérifier. Y a-t-il un cycliste, y a-t-il un piéton à tous les virages et non juste dans les changements de voie. Au niveau des stationnements, bon, ben on oublie pour les deux, vous avez complètement zéro. Il n'y avait aucune vérification, ni pour le clignotant pour partir. Le véhicule n'était pas stationné dans les lignes. Les entrées d'autoroute étaient bien pour les deux, donc il faut pas juste que je vous dise les côtés. Les côtés qui n'étaient pas bons. Les bons côtés aussi, il faut les prendre en considération. Il y avait aussi, au niveau des erreurs, des arrêts complets. Vous ne connaissez pas ça, des arrêts complets. On comptait jusqu'à 3 secondes. Ce n'est pas des maths, là, Émilie. Là. C'est un arrêt complet. On doit immobiliser le véhicule complètement. Il ne faut plus que ça bouge. Donc, c'était inexistant tout le long de vos deux parcours. OK. Moi, j'avais l'impression que En résumé, les angles morts, les arrêts non complets, pas avoir été courtois, donc on ne peut pas dire que vous êtes sécuritaire et coopératif. Mais vous avez été responsable. Oui! Est-ce qu'on a passé? Non, pas du tout! Échec! Si j'oublie les échecs, vous aviez environ 80 % et ça prend 75 % pour passer à la salle. On ne penserait pas, là. Mais non, parce que vous avez eu des échecs. En fait, c'est des erreurs comme les arrêts non complets qui sont systématiquement vont nous mener en échec. Même si tout le reste est parfait, si on fait cette erreur-là, on est fait. Oui. Actuellement, bon, vous autres chez Conduit Pro, vous êtes là pour donner les cours de conduite aux jeunes. C'est des cours qui sont maintenant obligatoires. Est-ce que chez les jeunes, il y a une amélioration au niveau de conduite? Je crois que c'est depuis 2010 que les cours sont revenus obligatoires. Est-ce que ça fait assez longtemps qu'on est en train de sensibiliser tout le monde à conduire bien tout ça? Je crois que non, Marc. En réalité, il faut attendre à peu près, moi je me dis dans 7-8 ans peut-être, oui, on va pouvoir voir une amélioration. Parce qu'il y a eu 12 ans que les cours n'ont pas été obligatoires. Donc, on a encore de mauvais exemples sur la route, beaucoup trop. Comme nous. Comme vous. Donc, c'est difficile de sensibiliser des jeunes, leur dire, bien, fais ça comme ça.
quand la majorité ne le font pas. Donc, mais plus tard, je crois. En tout cas, on va espérer. Hein, on va espérer que ça va aller beaucoup mieux dans le futur. Ben écoute, en tout cas, on vous remercie de oui, vous être prêté. Ça m'a fait plaisir, c'est un plaisir. Ben, je ne sais pas si je vous remercie, mais en tout cas. Ça nous a peut-être fait un peu moins plaisir à nous, mais il y a quand même un constat. C'est pas parce qu'on conduit depuis longtemps qu'on conduit nécessairement bien. Il faut faire appel à notre jugement, il faut suivre les règles. Évidemment, il faut être sécuritaire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait la preuve que quand on n'était pas vigilant, ben, ça pouvait peut-être nous amener à des erreurs importantes. Et là, moi, ça me fait rendre compte que je vais essayer de changer mon comportement. Donc, c'est pas parce qu'on conduit depuis longtemps qu'il faut rester cambré sur la façon qu'on fait depuis longtemps. Il faut s'ajuster un peu aussi, puis admettre ses erreurs. Oui, c'est ça. Il faut admettre qu'on est capable d'échouer, nous aussi. Il y a aussi un détail dont il faut parler, un détail qui vaut quand même presque 150 000 $ C'est la BMW M6 qui nous a servi de véhicule d'essai, qui a, il faut le dire, attiré les regards avec son étiquette examen de conduire. C'est une voiture qui est extrêmement sportive, qui est quand même capable d'être confortable, mais quand on la met en mode sport plus, mes excuses, Émilie, Hey, tu m'avais fait ça! Devient un peu inconfortable. Évidemment, c'est une voiture qui est faite pour la performance. C'est une voiture qui est faite pour être amenée sur une piste si vous êtes capable de le faire. C'est une bête 0-100 en 4,2 secondes. C'est vraiment un monstre avec une sonorité incroyable quand le régime moteur est au-delà de 3000 tours. Vraiment, c'est une pure joie à conduire. Est-ce que c'est une voiture que tu recommanderais pour l'hiver? C'est une voiture qu'on ne recommande pas pour l'hiver. C'est une propulsion, évidemment. Malgré tous les systèmes électroniques embarqués, ça devient difficile à maîtriser, évidemment. Et toi, Émilie, tu as aimé conduire la voiture? Oh mon Dieu, moi j'ai retenu que le volant était très doux. Et banc chauffant, moi, ça m'attire. Et vous, René, est-ce que c'est la première fois que vous faisiez passer des tests de conduite dans une aussi belle voiture? Oui, c'est assez rare hein, qu'on puisse payer une telle voiture, mais c'est sûr que si je gagne à la 649, je m'en achète une. On vous remercie d'avoir été là pour cette première émission. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur Internet. Et bien sûr, nous suivre la semaine prochaine pour notre prochaine émission et notre prochaine épreuve avec Ça roule. Au revoir! Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.